moi et je suis disposé à soifé, à soifé. Que ton onction descend en ce lieu sur moi, je suis disposé à soifé. Et ah oui, que ton onction descend sur moi. Alléluia, alléluia, je suis disposé à soifé. Oh, que ton onction descend sur moi. Est-ce que des flots de paroles peuvent couler de toi? Est-ce que quelqu'un peut exprimer sa soif ce matin? Est-ce que quelqu'un peut exprimer sa soif ce matin? Nous avons vécu Dieu depuis le mercredi, le jeudi, le vendredi et même hier, c'était extraordinaire. Mais notre soif n'est pas en train de se diminuer, mais bien au contraire, notre soif augmente. La disposition de nos cœurs augmente au fur et à mesure que nous nous approchons. La disposition de nos cœurs augmente au fur et à mesure que nous voyons Dieu. Notre soif grandit et nous voulons le voir encore plus. Le Dieu que nous avons vu hier nous a provoqué. Nous avons encore soif de lui ce matin. Le Dieu des esprits et prophètes que nous avons vécu cette semaine a provoqué au-delà de nous une faim ardente de le vivre. Oh, ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à disposer des vases, à disposer des vases. L'huile continue à couler, l'huile continue à couler. Est-ce que quelqu'un peut disposer les vases? Est-ce qu'il peut disposer les vases de son esprit, les vases de son cœur? Yara mama sauter les bébés. Sur moi et je suis disposé à soifer que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis disposé à soifer que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis disposé à soifer que ton onction descend. On dira Dieu de gloire rempli. Nous voulons juste être avec toi. Oh, juste être avec toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Avec toi, ouais. Juste être avec toi, avec plus de conviction, comme une soif dans ton cœur. Dis-le, Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplisse-le. Papa, nous voulons juste être avec toi. Alléluia, alléluia, juste être avec toi. Est-ce que je peux seulement le dire avec toi qui m'écoute? Oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. C'est ce que nous voulons ce matin, oui. Juste être avec toi. Et si c'est le désir de ton cœur, est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux l'exprimer, Seigneur? Nous voulons juste être avec toi. Nous voulons juste être avec toi. Nous voulons demeurer, Seigneur. Nous voulons demeurer. Plus nous te voyons, plus nous avons envie de demeurer. Plus nous te voyons, plus nous avons envie de rester, Seigneur. Alléluia. Juste être avec toi. Oui, juste être avec toi. Dis-le bien avec moi ce matin. Oh oui, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Nous voulons juste être avec toi. Alléluia, alléluia, nous célébrons. Juste être avec toi. Oh, 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 oh. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. C'est toi que nous voulons ce matin. Et les mots
ya na mama sebra le lolo si ya mele mele sese. Ya la la mama sopre le go si ya mele le mama 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 mama. Nous voulons juste être avec toi Yahweh. Nous voulons être avec toi. Nous voulons, nous voulons, nous voulons. Nous voulons, nous voulons, nous voulons. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et ce matin, nous sommes encore venus puiser aux sources du salut. Ce matin, nous sommes encore venus puiser aux sources du salut. À qui irions-nous, Seigneur? Nous avons soif, Seigneur. Ce matin encore, laisse-nous t'entendre. Laisse-nous te vivre, Dieu de gloire. Nos cœurs sont remplis d'un ardent désir de te voir, Seigneur. Le réveil qui embrase nos cœurs nous oblige, Seigneur, à tenir constamment cette soif. J'ai envie d'apparaître à Sion devant le Dieu des cieux. Alléluia. Lima sere baba yara baba baba. De là où tu te trouves, bien-aimé, est-ce que tu peux exprimer ce désir? Est-ce que tu peux exprimer ce désir? Est-ce que tu peux exprimer ce désir? Alléluia. Lima de l'ébauchete. Nous sommes en train d'entrer dans la semaine pascale. J'aimerais rassurer quelqu'un dans la semaine de la Pentecôte. J'aimerais rassurer quelqu'un qu'il y a quelque chose de particulier qui se produira. Et à cause de cela, ta soif doit être en place. Alors que nous entrons dans la semaine de la Pentecôte, dispose ton cœur, dispose ton cœur. Oh, chine les monses, chine les monses. Le Dieu des esprits, les prophètes, le Dieu des cieux. Est-ce que nous pouvons encore le dire ensemble? Oh, oui, Dieu de gloire. Nous voulons juste être avec toi, avec toi, ouais. C'est la prière de nos cœurs ce matin, c'est la prière de nos cœurs. Dieu de gloire, nous voulons juste être avec toi, Yahweh, Yahweh, juste être avec toi. Est-ce que tu peux le dire encore une fois? Oh oui, Dieu de gloire, amoché tes bras là-bas, là-bas. Alléluia, alléluia. Remplis nos vies ce matin, chacune de ta présence. Encore une fois, Seigneur, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, Seigneur. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons ce matin. Là où tu te trouves, est-ce que tu peux dire au Seigneur, dans ce culte, je viens avec un ardent désir, avec une attente particulière. Et lui le dit, le désir du juste, l'attente du juste ne lui sera point reproché. Est-ce que quelqu'un peut exprimer son attente ce matin? Est-ce que tu peux exprimer ton attente ce matin? Est-ce que tu peux exprimer ton attente ce matin? Avant que la parole ne vienne, est-ce que tu peux exprimer ton attente ce matin? Est-ce que tu peux déjà allumer un feu que le bois de la parole viendra encore plus attiser ce matin? Alléluia, liando, sereman de le brochete. Nous voulons être avec toi, Seigneur, nous voulons être affectés. Liando le mot, si ande le bé. Juste être avec toi. Il y a des moments chiantes, les mamans s'étaient déchetées. Alionde, Satara, Adonai, alléluia, alléluia, alléluia. Avance encore, avance encore, avance encore. Alléluia, ce matin, c'est le matin des assoiffés. C'est la matinée des assoiffés. Alléluia, l'Ishan de l'Emosete. C'est ce que nous voulons ce matin, être avec toi. Ziyande, les mamans, Sokra, Liyande, les mamans, Yamama, Mama. Nous voulons juste être avec toi, au-delà des mots, Seigneur, juste être avec toi.
au-delà des mélodies, c'est une prière. Dieu de gloire, remplisse-nous. Nous voulons juste être avec toi, Yahweh. Juste être avec toi, juste être avec toi, juste être avec toi. Rapproche-nous encore, juste être avec toi, juste être avec, juste être avec, juste être avec toi, juste être avec, juste être avec toi. Dis-le avec moi. Juste être avec, comment? Juste être avec toi. Allez, man, les mots, les maman, ya maman. Juste être avec toi. C'est notre désir ce matin. Juste être avec toi. Au-delà du voile, nous voulons être avec toi. Juste être avec toi. Au-delà des mythes, je veux la réalité. Juste être avec toi. Oh, juste être avec toi, Yahweh. Juste être avec toi. Non, les mots, approche-toi. Juste être avec toi, mon Dieu. Juste être avec toi. C'est dans le secret que tu me façonnes. Être avec toi, Yahweh. Juste être avec toi. Ce matin encore, je viens. Juste être avec toi, Yahweh. Juste être avec toi. Non, les mots, blâle, bébé. Être avec toi, Yahweh. Juste être avec toi. Sauf aller de les mochettes. Juste être avec toi, mon Dieu. Juste être avec toi. Alléluia, 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 alléluia. Il y en a même les mochias, les bravos. Il y en a même ma sauté, les liens de ma maman, les mamas. Il y en a les mots, sauté, les mamas, mamas. Il y a les bros, sauté, les mamas, les mamas. Yanele mama ma sople le posi andele momoshi. Yanele menoshi andele bebebeche. Tu fais bien de t'approcher, tu fais bien de t'approcher. Alors va plus loin ce matin, va plus loin ce matin. Attise ta flamme avec moi ce matin, va plus loin. Va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Yimande sople le momoshi. Le virtuel n'est pas un frein au spirituel. Je disais le virtuel n'est pas un frein au spirituel. Ce n'est pas parce que c'est virtuel que ce n'est pas spirituel. J'aimerais que tu te connectes ce matin à la mouvance de ce matin. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus ce matin à notre direct. Et nous donnons à Jésus-Christ toute la gloire pour l'opportunité de se réveiller ce matin. Dans l'Acte des Apôtres, il est écrit, c'est de lui que nous avons l'être, le mouvement et la vie. C'est de Dieu que nous avons la vie, l'être et le mouvement. Et nous sommes vraiment reconnaissants que Dieu nous ait réveillés ce matin. Certains sont morts hier, d'autres aujourd'hui sont à l'hôpital. Mais Dieu nous a gardés en vie et nous sommes infiniment reconnaissants. Veuillez nous excuser déjà pour le grand retard avec lequel nous commençons notre message de ce matin. Quelques aménagements techniques, mais nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Vous êtes très nombreux déjà connectés pour adorer avec nous, prier avec nous. Mais aussi écouter la parole de Dieu ce matin. Alors ce matin, je ne sais pas comment ça va se passer. Mon cœur s'est réveillé avec une certaine orientation de l'esprit. Et le Saint-Esprit n'a jamais déçu une personne qui a suivi son mouvement, qui a suivi sa direction, qui a suivi son orientation. Alors soyez bénis ce matin. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes en Afrique, à Kinshasa en particulier. J'aimerais saluer déjà tous mes fils et mes filles de la Porte des Cieux. Je vous aime profondément. Et vous me manquez de partout, vous êtes là où vous êtes, de la Porte des Cieux. Nous avons hâte que le déconfinement arrive, afin que je puisse vous revoir tous. C'est vrai qu'on se voit avec quelques-uns, d'autres sur le net. Mais sinon, j'ai hâte de vous revoir, hâte d'être à l'église, hâte de célébrer Dieu dans l'Assemblée des Saints avec vous. Soyez bénis là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Et ici, je salue, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes au Moyen-Orient, pourquoi pas. Vous êtes en Amérique du Nord, du Sud, où que vous soyez, même en Océanie. Soyez les bienvenus, vous êtes dans les îles. Soyez les bienvenus dans ce direct, en direct de la Porte des Cieux, au Centre International de Réveil. Je pense qu'il y a des gens avec moi au plateau. On peut acclamer très fort pour Jésus.
Il mérite la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté et la magnificence ce matin. Amen. Prions le Seigneur ce matin. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes de nous réveiller ce matin. Nous sommes prêts et disponibles à écouter ta parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ma prière est que ta parole vienne à nous, qu'elle nourrisse nos âmes, qu'elle illumine nos esprits, qu'elle nous fasse croître spirituellement et qu'elle accomplisse le but pour lequel tu l'envoies ce matin. Fais-nous grâce, Père, d'être le dispensateur des mystères de Christ. Fais-nous grâce ce matin d'impacter, de toucher plusieurs nations qui nous suivent. Et lorsque tout l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi et toi seul. Je prie ce matin, comme tu m'as dit de commencer par cette prière, je prie pour tous ceux qui sont malades. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont à la maison, ils sont en train de me suivre là où ils sont. Père, avant que la prédication ne se termine, même si je ne parlerai pas de la guérison divine, tu m'as dit de prier pour tous ceux qui sont malades. Une maladie naturelle, une maladie spirituelle. Père, que la guérison vienne vers eux. Il est inadmissible qu'ils puissent porter sur leur corps ce que tu as porté sur le tien à la croix. Tu t'es chargé de nos maladies, de nos iniquités. Et ce n'est pas à te mettre sûr que nous sommes guéris. Je décrète et déclare, quelle que soit la maladie, les maux au niveau des os, au niveau de la chair, de la peau, des nerfs, du sang, des nerfs, au niveau des dents, au niveau des maux de tête, quelqu'un qui est malade là où il est, sur un lit d'hôpital. Je décrète et déclare que la personne se lève et soit guéri au nom de Jésus. Une personne qui avait la fièvre là où elle était, Père, tu m'as dit de commencer avant le message de prier pour les malades. Je décrète et déclare que ceux qui sont sur le lit d'hôpital se lèvent et sont guéris maintenant. Tous ceux qui ont des problèmes de myome, des kystes, tous ceux qui ont des problèmes au niveau de l'utérus, des trompes, je décrète et déclare une guérison miraculeuse maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toute maladie, tous ceux qui sont infectés par le Covid-19, je décrète et déclare là où vous êtes, que la guérison de Dieu vous touche maintenant, que vous soyez guéris au nom de Jésus. Que les yeux des aveugles s'ouvrent, les oreilles des sourds, les oreilles des sourds puissent ouvrir, la langue de ceux qui ne peuvent parler soit déliée. Tous ceux qui ont le sida, le cancer, quelle que soit la forme de ce cancer, je décrète et déclare la guérison maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, je te vois durant le live en train de donner le témoignage et de dire que tu as été guéri. Je vois une femme être guérie de cataracte au niveau de la France. Il y a des cataractes au niveau de tes yeux. Tu as des difficultés et tu es une maman. Tu es une maman et avec toi de la maison, vous avez deux enfants. La Bradia Sata, la plus élancée, c'est la plus âgée. Je vois que la plus élancée, ce n'est pas la plus âgée. Voilà. Vous avez un fils et une fille, mais c'est la fille qui est plus élancée que le garçon. Vous êtes maman maintenant en train de me suivre. Vous êtes comme en pyjama là où vous êtes. Vous êtes en France. Je décrète et déclare que ces cataractes partent au nom de Jésus. Et Dieu vous guérit. Vous n'aurez même plus besoin de lunettes. Soyez guéris là où vous êtes au nom de Jésus. Je vois la main de Dieu guérir beaucoup de malades ce matin. Reçois ta guérison. 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 Il y a une onction de guérison ce matin. Quelle que soit ta maladie, tu as des chaises roulantes. Tu es sur une chaise roulante. Maintenant, alors que je te parle, par l'action de la foi, lève-toi là où tu es et commence à marcher, commence à faire ce que tu ne faisais pas. Tu as des béquilles avec toi, jette tes béquilles, fais-nous les photos de comment tu as marché ce matin. Lève-toi là où tu es, commence à marcher. Tu as des problèmes d'audition, tu as quelqu'un à tes côtés qui a des problèmes auditifs, soit à un bas pourcentage, soit qui n'entend même pas. Pose les mains sur la partie de la personne malade à tes côtés. Je décrète et déclare ce matin, dans ce prophétique Sunday, que la guérison de Dieu vienne vers vous. Que la maladie s'en aille, parte et disparaisse. I declare that you are healed in the mighty name of Jesus. Les problèmes de maux de tête chroniques partent au nom de Jésus. Les problèmes de dysménorrhée, les règles douloureuses, ou bien les règles qui créent des problèmes. Tu es même là. On t'a même mis comme une sorte de couette chaude comme ça, qu'on a déposé sur ton front parce que tu as tellement de problèmes. Tu es en Belgique, là où tu es, sois guéri maintenant. Les règles douloureuses viennent s'achever maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je vois Dieu guérir les gens des problèmes de peau. Vous êtes guéri là, vous êtes au nom de Jésus. Je vois le sida disparaître. Demain tu peux aller faire le test, tu viens d'être guéri au nom de Jésus. Je vois un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle, là où tu es, Dieu me dit aujourd'hui avant 13h tu entreras en érection et tu seras avec ta femme et tu joueras de votre sexualité. Sois béni et guéri au nom de Jésus. Toute maladie imposée par la sorcellerie, toute maladie imposée par la magie, toute maladie imposée par
Les actions au-dessus du ténèbre libèrent et partent ce matin au nom de Jésus. Je décrète et déclare que vous êtes guéris. L'onction de guérison est là. C'est le fleuve de la guérison. L'onction de la guérison tombée. Quelle que soit ta maladie, même celle que je vois un goître disparaître. Je vois des kystes au niveau des yeux disparaître. Je vois des kystes au niveau là-bas, au niveau des mains. Maintenant disparaître. Faites des photos, dites-nous ce que Jésus a fait. Je vois la longue Mayana Basata. Laria Basata Rabayanda Rabasete. Laria Basoto Reboshande. Le Bariaba Basata Rabarabasote. La Barababa Sandaraba. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Et nous acclamons très fort pour le roi de gloire. Oh mon Dieu. Mon Dieu, je vois en esprit, on peut acclamer plus fort que ça. Je vois vraiment en esprit. Je suis en train de voir en esprit des gens donner des témoignages. Alors faites une photo de comment vous avez été guéri. Il y a un numéro de téléphone là, au bas de l'écran. Faites la photo, envoyez la photo de comment le Christ a disparu. Donnez-nous votre témoignage en inbox, sur le direct, commentez. Et même, écrivez sur ce WhatsApp qui est au bas de l'écran. On a mis contact, +243 81 451 et suivant. Dites-nous ce que Jésus a fait ce matin. Si vous faites un acte que vous n'arrivez pas à faire, l'onction de Dieu est là et la puissance de Dieu est à l'œuvre. Je bénis Dieu, j'aimerais vraiment bénir Dieu ce matin pour ce que Dieu a accompli vendredi à la veillée. Oh mon Dieu, les gens ont été délivrés. Nous avons des photos et des vidéos de gens qui ont vomi des bestioles, qui ont vomi des choses terribles. D'autres gens qui sont allés faire les urines, les selles. Il y a des choses étranges qui sont sorties. Les gens ont beaucoup vomi. Même des enfants de pasteurs, des enfants de grands pasteurs que je connais même, ont suivi ce direct. Il y a la femme de l'un des députés que je connais. Elle a commencé à vomir. Elle a été guérie sur le champ. On a vécu des miracles terribles à la nuit qu'on appelait ma nuit de délivrance. Et envoyez-nous vos témoignages. Dites-nous ce que Jésus a fait. Et nous nous rendons toute la gloire pour ce qu'il a fait et accompli pour nous. Si c'est quelqu'un est avec moi qui peut dire amen très fort. Ta mère vient d'être guérie maintenant là-bas. Ta mère est guérie, ton père est guéri, tes enfants sont guéris. Et là où tu es toi-même, tu es totalement guéri dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dites-nous ce que Jésus a fait. Jésus vous a guéri. Ne gardez pas le témoignage. Il vous a donné la guérison. Ne gardez pas et la guérison et le témoignage. Il vous a délivré. Ne gardez pas et la délivrance et le témoignage. Ce n'est pas une bonne chose. Il vous a donné la délivrance. Rendez-lui le témoignage. Il vous a donné la guérison. Donnez-nous le témoignage. Rendez gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, car ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Il y a une puissance dans ton témoignage. Dis-nous ce que Jésus a fait. Que ce soit grand à tes yeux ou petit à tes yeux, dis-nous ce que Jésus a fait. C'est d'une grande importance pour nous. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous sommes venus avec une grande attente d'écouter la dernière partie de cet enseignement sur les songes. Et par la grâce de Dieu, depuis quelques dimanches, je vous entretiens sur les songes. Par la partie introductive, j'ai eu à parler des songes, de définir les songes. Et une brèche a été ouverte, j'ai commencé à parler de comment l'ennemi initie les gens dans les songes. J'ai parlé du discernement et dimanche dernier, je me suis vraiment attelé sur le fait de pouvoir comprendre les choses qui se passent la nuit, comment l'ennemi travaille lorsque nous dormons. Mais ce matin, vous allez m'excuser, mon message est sur les types de songes, mais je ne sais pas comment vous dire, je me suis réveillé avec un boom dans mon cœur et j'entendais Dieu me dire, récupère ton éclat, récupère ton éclat, récupère ton éclat. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je récupère mon éclat? Alors comme c'est le prophétique Sunday, j'aime vraiment respecter les thèmes que je donne, mais je ne sais pas ce matin, vous allez m'excuser de ne pas respecter le programme, de ne pas respecter la liturgie et de me laisser aller à l'esprit. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit peut diriger autrement? Je crois que Dieu est au-dessus de nos programmes, au-dessus de nos thèmes, et Dieu veut faire quelque chose de spécial ce matin. Dis avec moi, je récupère mon éclat. Come on. J'aimerais entendre les gens qui sont avec moi ici, comme ça je peux savoir qu'on est ensemble. Dis avec moi, je récupère mon éclat. Plus fort, je récupère mon éclat. Je vais lire pour vous deux ou trois versets et je vais commencer à faire des déclarations et à vous expliquer des choses ce matin. Lisez avec moi la parole de Dieu. J'aime la Bible, j'aime la Bible. Je lis avec vous 1 Corinthiens 15, verset 41. 1 Corinthiens 15, verset 41. Il est écrit ceci. Autre est l'éclat du soleil,
autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Je répète, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Je décrète et déclare que dans ta génération, ton éclat va briller. Ton éclat va s'étendre. Ton éclat va se distinguer. Vous êtes toutes des étoiles à l'école, mais ton éclat va se distinguer. Vous êtes tous des pasteurs dans cette génération, mais ton éclat va se distinguer. Vous êtes tous des hommes et des femmes d'affaires, mais ton éclat va se distinguer. Vous êtes tous dans la politique, dans la présidence de ce pays, mais ton éclat va se distinguer. Vous êtes tous dans les commerces, à l'extérieur du pays, dans les imports et les exports, mais ton éclat va se distinguer. Je décrète et déclare une onction de l'éclat de distinction ce matin. Lorsqu'on va te voir, on va sentir que tu as quelque chose de spécial, que tu as quelque chose de particulier. Si on veut choisir 10 personnes, tu seras parmi les 10 à cause de ton éclat. S'il reste 5 dans la sélection, tu seras parmi les 5 à cause de ton éclat. Si on doit garder 3, on te gardera parmi les 3. Pas parce que tu es beau ou tu es belle, mais parce que ton éclat va les attirer. Si on doit réserver 2, tu seras parmi les 2 à cause de ton éclat. Et s'il y a une personne que l'on doit retenir, ce sera toi, pas à cause de ta beauté, mais à cause de ton éclat. Je décrète et déclare que dans cette génération où il y a plusieurs étoiles, ton éclat va se distinguer. Je dis ton éclat va se distinguer. La Bible déclare que je t'ai oint d'une huile de joie au milieu de tes semblables. Que Dieu te donne une huile de joie. Quand les gens te voient, qu'ils puissent t'aimer. Quand les gens te voient, qu'ils puissent t'apprécier. Quand les gens te voient, qu'ils puissent te préférer. Quand les gens te voient, qu'ils ont envie de te donner. Quand les gens te voient, qu'ils ont envie de t'ouvrir des portes. Je décrète et déclare ce matin, ton éclat est en train d'être récupéré. Ton éclat est en train d'être récupéré. Tout celui qui te voit aura envie de te donner, aura envie de t'embrasser, aura envie de te faire du bien, aura envie de te recommander à quelqu'un auprès de qui ton don et tes talents seront utiles. Oh mon Dieu, est-ce que je peux déclarer ce matin? Un garçon avait 5 pieds et avait 5 pains. Les badabas, 5 pains et 2 poissons. Il était dans la mêlée et personne ne le connaissait. Jusqu'au moment où les apôtres de Christ l'ont repéré, ils l'ont pris de ces 5 pains et 2 poissons. Ils l'ont emmené vers un homme qui s'appelait Usine. Ah. Il a amené vers un homme qui s'appelait Usine. Et quand Jésus a récupéré les 5 pains et 2 poissons, il a rendu grâce. Il a eu plus de 20 000 à 30 000 poissons qui ont été produits par la boulangerie du ciel d'un homme qui s'appelle Usine. Je décrète et déclare ce matin, il y a des gens qui ont des prédications, il y a des gens qui ont écrit des chansons, il y a des gens qui ont des grâces à donner, mais ils sont de la mêlée. On ne les connaît pas, on ne les reconnaît pas, on ne les respecte pas, on ne les aime pas, on ne les accepte pas. Mais Dieu me dit, il y a des personnes intermédiaires. Il y a des personnes intermédiaires qui vont voir ce que tu as, qui vont croire en ce que tu as, qui vont aimer ce que tu as. Ils vont te prendre dans la cachette, ils vont te chercher dans le secret, ils vont te prendre parce que la Bible déclare, on n'allume pas un chandelier pour le mettre sur la table. Mais on le prend sur la table, on le met sur la table. Ton éclat ne restera plus sur la table. Ton éclat ne restera plus de l'anonymat. Ton éclat ne restera plus au ghetto. Je décrète et déclare que des hommes qui vont croire en toi arrivent. Des hommes qui vont te prendre avec tes 5 pains et 2 poissons avec lesquels tu marcher comme d'habitude, et ils vont faire de toi le premier producteur de pain de plus de 30 000 en moins de 24 heures. Je décrète et déclare que la grâce de Dieu vient sur toi. Dieu te donne la faveur de Dieu et la faveur des hommes, la faveur de Dieu et la faveur des présidents, la faveur de Dieu et la faveur des présidences, la faveur de Dieu et la faveur des partenaires, la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Reçois cette grâce, que des hommes viennent vers toi. Aïe 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 aïe. Là où il y a un besoin, dans la maison de Saül, je vois quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui a appris ce que tu as, quelqu'un qui sait que tu peux apporter la solution. Dire à Saül, dire à un partenaire, dire à un homme d'affaires, dire à Omalaba Sabrana, dire à une banque, dire à une présidence, dire à un gouvernorat, leur dire, je connais quelqu'un qui peut jouer de la harpe, Dieu est avec lui. Je vois quelqu'un venir vers toi derrière le troupeau de ton père. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es parfait, mais parce que la lumière, ton éclat va briller jusque dans la présidence. Ton éclat va briller jusque là où les hommes sont. Et je le vois venir vers toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais je vois des gens en train de marcher vers toi. Des gens avancent vers toi. Continue à jouer ta harpe. Continue à servir ton Dieu. Continue à faire fidèlement ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui a déjà parlé de toi quelque part et qui est en train de venir. Je décrète et déclare sur 3000 personnes qui sont connectées, sur 1000 personnes, 2000, 3000, et ceux qui vont suivre ce direct. Je décrète et déclare sur toi des hommes qui viennent vers toi. Et j'entends ton nom être cité dans un bureau. J'entends ton nom être cité au milieu des discussions d'hommes et de femmes d'affaires. Oh mon Dieu, je vois quelqu'un venir vers toi, te tenir la main et t'amener tout droit là où la grâce, Malaba Chabra.
là où ta grâce sera valorisée, là où ta grâce va te payer, là où ta grâce te donnera des maisons, là où ta grâce te donnera des voitures, là où ta grâce te donnera de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu es en prison comme Joseph, tu as l'impression qu'on t'a oublié. Je voulais te dire, ton éclat est en train de sortir maintenant. Il y a quelqu'un de la maison de Pharaon qui a vu le problème du roi, qui a vu le problème dans le marché, qui a vu le problème dans le monde informatique de la RDC, qui a vu le problème, qui ont vu un vide, qui ont vu, oh my God, si je parle à quelqu'un ici, j'ai envie de me lever et de dire fire. J'ai envie de me lever et de dire fire. Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, il pousse les gens à se souvenir de lui. Tu n'as pas entendu? Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, le premier signe par lequel tu sauras que Dieu s'est souvenu de toi, c'est quand des personnes qui te connaissaient en prison, qui t'ont semblé t'oublier, bizarrement, ils se levaient avec ton nom. Il faut qu'on pense à elle, il faut qu'on pense à lui, il faut qu'on pense à eux. Le premier signe par lequel tu sauras que Dieu se souvient de toi, c'est-à-dire que c'est ton temps, Dieu a ouvert le livre de souvenirs, c'est quand Dieu commence à permettre à des gens de se souvenir de toi. Voilà pourquoi actuellement tu sens que des gens qui ne t'ont pas appelé commencent à t'appeler, des gens qui ne t'écrivaient plus recommencent à t'écrire, des gens qui ne te cherchaient pas recommencent à te chercher. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu se souvient de toi. Je vois le don d'interprétation des songes être amené quelque part où cela fera de toi un gouverneur. Tu as interprété, on t'a acclamé. Tu as interprété, on t'a célébré. Mais on t'a pas payé, on t'a pas élevé, on t'a pas sorti de prison. Mais je décrète et déclare, le temps est arrivé où ce que tu as fait avec intégrité, avec humilité, avec pureté, avec consistance, avec constance, va te payer à cause de ton éclat. Est-ce que quelqu'un peut dire je récupère mon éclat? Oh, dis très fort, je récupère mon éclat. Laisse que ces 1200 personnes soient visitées par Dieu. Je décrète et déclare que tu récupères ton éclat. Aïe, 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 je vois quelqu'un venir vers toi et te dire, on a besoin de toi dans ce bureau. Je vois quelqu'un demain te récupérer et te dire, on a finalement besoin de toi pour ce marché. Je décrète et déclare que la saison est arrivée où Dieu se souvient de toi. Pas parce que tu es bon, mais parce que son temps est arrivé. Pas parce que dans ta montre tu as l'heure. Peut-être que ta montre ne fonctionne pas, mais la montre de Dieu fonctionne toujours. Dieu m'a dit de te dire que c'est ton temps et il permet aux gens de se souvenir de toi et il restaure ton éclat. Quelqu'un peut dire, avance prophète. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Ok. Ok. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Il n'avait? Encore? Plus fort? D'accord, quelqu'un peut dire avance prophète. Joël 3 verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. On parle du jour du Seigneur, d'un temps difficile qui va arriver sur la terre. On dit que durant ce temps difficile là, on ne verra plus l'éclat des étoiles à cause des temps difficiles. L'éclat est toujours là, mais à cause des temps difficiles, l'étoile sera toujours là, mais l'éclat va disparaître à cause des temps difficiles. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire amen mieux que ça. La Bible déclare dans Genèse 1 verset 16 pour terminer. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Très fort pour le Seigneur. Ceux qui sont avec moi, est-ce qu'on peut acclamer très fort et pousser des cris de joie? Et pousser des cris de joie. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Je récupère mon éclat. Je récupère mon éclat. Je récupère mon éclat. Oh, je sens une forte onction ici. Je dis, je récupère mon éclat. Je sens une forte onction ici. Je dis, je récupère mon éclat. Oh, maraba sataraba. Je récupère mon éclat. Je récupère mon éclat. Première vérité que tu dois savoir. Première vérité que tu dois savoir est que tu es une étoile. Aïe, 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 cette année à la porte des cieux, à la veille de 2020, l'Éternel m'a parlé et le 1er janvier 2020, je déclarais du haut de cet autel, c'est l'année de la manifestation des étoiles. Et je déclare sur quelqu'un qui me suit maintenant, le Seigneur me dit, les ténèbres couvrent la terre, ok? La crise couvre la terre, mais c'est durant ce moment-là que toi tu vas te distinguer. Goliath ne vient pas tuer Israël. Goliath est venu exposer le talent de David. Tu n'as pas entendu. Si tes propres frères à la maison ne font pas
ton marketing, de tes capacités derrière les brebis de ton père. Il n'y a que la présence d'un Goliath qui vient sur scène pour révéler les capacités de David, pour révéler l'onction de David, pour révéler l'appel de David. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois qu'une crise vient sur le plan national, chaque fois que la crise vient sur le plan régional, chaque fois qu'une crise vient sur le plan familial, au fait, Goliath vient pour exposer un David de la même manière que c'est la nuit qui vient exposer les étoiles. Les étoiles sont là au-dessus des cieux, mais tu ne peux les voir parce qu'il fait jour. Mais Dieu permet qu'un Goliath vienne. Dieu permet qu'une obscurité vienne. Dieu permet que la nuit vienne. Dieu permet que les problèmes viennent, afin que dans les problèmes, ta vraie capacité qui n'a pas pu être vue soit remarquée, soit distinguée, soit observée. Je décrète et déclare, peu importe ce qu'on dit de COVID-19, toi tu te feras des millions de dollars. Quel que soit ce qu'on dit de COVID-19, toi tu vas te multiplier des partenaires. Quel que soit ce qu'on dit de COVID-19, toi tu vas acheter des parcelles, construire des maisons et terminer avant le 31 décembre. Celui qui croit peut dire trois fois, amen, come on. Tu es une étoile. Deuxième vérité que j'aimerais te dire, l'étoile, non seulement tu es une étoile, mais l'étoile vient pour marquer le temps et une saison. Il est écrit, il a créé le plus grand luminaire, le soleil, n'est-ce pas, pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Ok, le soleil est là et la lune est là. La lune préside à la nuit. Quand tu vois la lune, tu sais que la nuit est là. Quand tu vois le soleil, tu sais que le jour est là. Et ce que j'aime, c'est qu'en hébreu, luminaire, on appelle cela chandelier. Au fait, les astres sont des chandeliers qu'il y a dans les cieux. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire avance prophète. Oh mon Dieu, oh mon roi. Donc chaque fois qu'il y a un temps, il y a un astre qui préside. Chaque fois qu'il y a un temps, il y a un astre qui préside. La nuit, il y a un astre qui préside. Le jour, il y a un astre qui préside. Comment savoir que c'est la nuit? Tu remarqueras la nuit par l'astre qui préside. Comment tu sauras que c'est le jour? Tu remarqueras par l'astre qui préside. Parce qu'il n'y a pas de temps sans l'élément du temps. Il n'y a pas de temps sans la chose du temps. Il n'y a pas de temps sans l'astre du temps. Écoute-moi, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. N'est-ce pas? Il y a un temps pour chaque chose, mais aussi une chose pour chaque temps. Oh, tu n'as pas entendu. Alléluia. Il y a un temps pour tout homme sur la terre, mais aussi un homme pour tout temps sur la terre. Ah, tu n'as pas entendu. Il y a un temps pour tout homme sur la terre, mais aussi un homme pour tout temps sur la terre. De la même manière que chacun a son temps, temps dans lequel Dieu accomplit ses promesses, mais dans chaque temps, il y a aussi les hommes qu'on appelle les hommes du temps. Je décrète et déclare qu'en cette nuit, tu seras l'astre qui va présider. Je déclare en cette dernière semaine de mai, tu seras l'astre qui va présider. Je décrète et déclare qu'en cette deuxième moitié de l'année qui va commencer, tu seras l'astre qui va présider. Je décrète et déclare qu'en cette décennie de tumulte, tu seras l'astre qui va présider. Parce qu'il y a un temps pour tout homme et il y a aussi un homme pour tout temps. J'aimerais dire à une femme, tu es la femme de ce temps. J'aimerais dire à un homme, tu es l'homme de ce temps. J'aimerais dire à une église, tu es l'église de ce temps. J'aimerais dire à un ministère, tu es le ministère de ce temps. J'aimerais dire à un homme et une femme d'affaires, tu es l'homme et la femme d'affaires de ce temps. Si tu le crois, donne-moi un amen bien là où tu es. Donne-moi beaucoup de cœur là où tu es. J'aimerais déclarer et décréter à quelqu'un ce matin, je suis rêvé avec ça de mon esprit. Tu es l'homme, tu es l'astre que Dieu élève en ce temps afin de marquer ce temps. Ainsi, après ce temps, quand on parlera de ce temps, on dira, c'était à l'époque de David Isé. C'était à l'époque de Paul Mulongo. C'était à l'époque de Amen Mabika. Les historiens reconnaissent l'histoire au travers de deux choses. Un, les événements marquants. Deux, les hommes qui ont marqué les événements marquants. Oh, tu n'as pas dit amen. On reconnaît le temps raconté par des historiens par deux choses. Un, quand on parle de guerre de 40-45, on pense à la Deuxième Guerre mondiale. Quand on pense à 14-18, on pense à quoi? À la Première Guerre mondiale. Et ce sont des événements. Mais quand on pense à ces années, on pense à quelque chose qui s'est passé. Mais aussi quand on pense au 30 juin 1960 au Congo, on pense à Patrice Emery Lumumba. Parce qu'il y a des hommes qui marquent des temps. Même quand ils ne sont plus là, quand on parle d'un temps, on parle d'un astre. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle d'un astre qui a brillé en ce temps-là. Ce temps, c'est toi qui vas briller. Je dis ce temps, c'est ta famille qui va briller. Ce temps, c'est le nom de ta famille qui va briller. Ce temps, c'est le nom de ton ministère qui va briller. Dieu me dit de te dire, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu me dis, va dire à mon peuple, en ce temps, ils sont venus récupérer leur étoile. Là où tu es devant le live, fais comme ça. Dis, je récupère mon étoile, je récupère mon éclat. Si tu es avec moi, donne-moi un amen plus fort que ça.
Oh mon Dieu, je vois quelqu'un briller de mille feux ce matin. Lorsque tu sors de ce déconfinement, tu sors pour se distinguer. Tu sors pour te distinguer. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Là-bas, tu seras la femme de ce temps. Quand on parlera de 2020, on ne pourra pas parler de 2020 sans citer ton nom. On ne pourra pas parler de cette décennie sans parler de ton nom. Et laisse-moi te dire, Dieu a une manière bizarre de travailler. Cette manière bizarre de travailler, c'est le troisième principe que je te donne. Tu sais quoi? Dans Matthieu chapitre 2, lorsque l'étoile s'est levée, c'était l'étoile de Christ. Et chacun a une étoile. Ok, la bradia Satan. Est-ce que je peux continuer? Je suis ici. Mais si tu vas en banque, tu donnes juste mon numéro de compte. On tape mon numéro, ça va sortir mon nom. Tu sais pourquoi? Je ne suis pas à la banque, mais je suis à la banque par un code qui me représente. Dans le monde physique, je peux être là. Mais dans le monde spirituel, j'ai quelque chose qui me représente. Oh. Cette chose qui me représente, c'est ce qu'on appelle l'étoile. Chacun d'entre nous a quelque chose qui le représente dans le monde spirituel. Je ne sais pas si je peux commencer à dire des choses un peu dangereusement dangereuses ici. Est-ce qu'on peut avancer? Je passe cela. Et lorsqu'on a vu cette étoile se lever, oh my God, lorsqu'on a vu cette étoile se lever, les mages qui étaient des savants, certains disent qu'ils étaient dans la magie, parce que le fils de l'Orient était habitué depuis les époques anciennes, c'était les Chaldéens, à l'époque de Job, à l'époque de Balaam, et même plus tard encore, les Chaldéens maîtrisaient les voyages astro, ils maîtrisaient les déportations, l'astrologie et beaucoup de choses. Et même, ils étaient maîtres dans l'art de l'astronomie, parce qu'ils dessinaient les cartes du ciel. Donne-moi un bon avance, prophète. On dit, ces hommes ont vu son étoile et ils ont dit, puisque ça, c'est sorti de le monde spirituel, ça veut dire qu'il y a un correspondant dans le monde physique. Les ennemis, lorsqu'ils attaquent une église, ils ne regardent pas l'adresse de l'église. Ils regardent l'étoile qui brille au-dessus de l'église. Ils regardent la lumière qui a sur le plan spirituel au-dessus de l'église. Et ils ont commencé à venir et ils allaient trouver Christ. Et la Bible déclare, lorsqu'ils sont arrivés, lorsque l'étoile les a emmenés là où Christ était, vous savez quoi? L'étoile s'est arrêtée là où Christ était et l'étoile a disparu après que ces hommes soient entrés et aient adoré le Christ avec trois types de cadeaux, l'encens, la myrrhe et de l'or. Ils ont apporté cela parce que l'encens représentait le travail du sacrificateur. La myrrhe représentait le travail du prophète et l'or représentait l'onction royale parce que Jésus est roi. Il est prêtre et le sacrificateur. Et ils emmenaient ces cadeaux au maître. Et ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Hérode disait, où est cet enfant pour que j'aille l'adorer? Parce qu'on n'adore pas un homme, on adore un Dieu. Et Jésus n'est pas un homme. Jésus est l'homme, le fils de l'homme. Mais aussi Jésus, le fils de Dieu. Il est pleinement Dieu et pleinement homme dans un seul être. Et quand ils ont adoré Jésus, en fait, l'étoile existait pourquoi? L'étoile n'existait pas pour prier. L'étoile n'existait pas pour être adoré. L'étoile n'existait pas pour être vénéré. Mais l'étoile emmenait ses sons pas à pas. Je répète, pas à pas vers la personne qu'ils étaient censés adorer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ces hommes étaient à l'Orient. Ces hommes n'avaient jamais vu Jésus. Ces hommes n'avaient jamais rencontré Jésus. Mais un jour, ils ont rencontré Jésus. Quel était l'intermédiaire entre là où ils étaient et la rencontre avec Jésus pour l'adorer, pour communier avec lui? Tu sais, c'était qui? C'était l'étoile. J'aimerais dire à quelqu'un, le but de l'étoile n'est pas l'étoile. Dieu n'a jamais créé l'étoile pour qu'on adore l'étoile. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il refusait qu'on adore l'armée des cieux. Nous ne sommes pas de ceux qui adorons les étoiles, le soleil, comme les Grecs, comme les Romains ou comme les Égyptiens. Loin de là, nous ne sommes pas ceux qui opèrent dans la magie. Mais Dieu a dit que le but de l'étoile, c'est pour être un guide. L'étoile est un protocole. L'étoile est un conducteur. L'étoile est un GPS. L'étoile est une boussole. L'étoile guide. L'étoile conduit. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es un conducteur. Tu es un protocole. Dieu t'a donné cette beauté pourquoi? Il t'a donné ce don pourquoi? Il t'a donné cette onction pourquoi? Il t'a donné cette capacité pourquoi? Ce n'est pas pour que tu sois acclamé. Ce n'est pas pour que tu sois vénéré. Ce n'est pas pour qu'on dise que tu dépasses les autres. Ce n'est pas pour que tu te mettes en compétition avec les autres. Le but de ta brillance, le but de ton existence, ce n'est pas toi. Mais tu es appelé à emmener les gens
avec Christ. David avait dit, non pas à nous, mais à ton nom donne toute la gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Lorsque Dieu te donne de l'argent, ce n'est pas pour que tu sois meilleur que les autres, mais c'est pour que tu guides les âmes vers Jésus. Lorsque Dieu te donne de la beauté, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour que tu amènes les âmes vers Jésus. Lorsque Dieu te restaure aux yeux des gens, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour que tu amènes les âmes vers Jésus. Lorsque Dieu te donne un mariage, ce n'est pas pour dire, oh voilà, oh, elles ont eu, elles avaient douté de moi, voilà je suis devenu. Non, ton mariage, ce n'est pas pour toi. Le but de ton existence, ce n'est pas pour que tu sois dans les cieux et qu'on te vénère. Le but de ton existence, c'est d'amener les gens petit à petit à connaître Jésus. Et je me l'ai dit à quelqu'un, si cette étoile ne brillait pas, on n'allait pas voir Jésus. Voilà pourquoi des fois, Dieu va te rendre béni. Il va te donner un don terrible pour qu'en captivant l'attention des gens, à ton tour, tu captives l'attention des gens vers Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le but de ton éclat, le but de ta bénédiction, le but de ton élévation, le but de ta restauration, ce n'est pas toi. Dieu ne t'a pas donné une grâce pour que tu te glorifies de cela, pour que tu t'élèves au-dessus des gens. Non, le but de l'étoile, ce n'est pas l'étoile. Le but de l'étoile, c'est le créateur de l'étoile. Comment l'étoile pouvait accepter d'être adorée alors que sa raison d'être était qu'on adore celui qui l'a créé? Qui a créé l'étoile? C'était le quatrième jour, n'est-ce pas? Que Dieu a créé le luminaire. Qui a créé l'étoile? Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Tu sais quoi? Celui qui a créé le luminaire, c'est la parole. Elle est Dieu dit. Colossiens 1, verset 15 à 16, il est écrit, c'est par Christ que les choses visibles et invisibles ont été créées. En d'autres termes, celui qui avait créé cette étoile, c'était celui qui naissait. Le créateur de ton élévation, c'est Jésus. Le créateur de ton mariage, c'est Jésus. Le créateur de ta corpulence, ta beauté, tes talents, ton art oratoire, c'est Jésus. Et en aucun cas, Dieu ne va accepter de partager la gloire avec toi. La seule raison pour laquelle Dieu te partage la gloire, c'est parce que tu fais partie de sa famille. Mais la gloire que tu reçois n'est pas pour être adoré, mais pour dire aux gens, oh, regardez celui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. À la fin de la prière de notre Père, on dit, car c'est à toi qu'appartiennent. La gloire n'appartient pas à un homme, le nom n'appartient pas à un homme, l'élévation n'appartient pas à un homme, les félicitations n'appartiennent pas à un homme, la gloire appartient à Jésus, à lui et à lui seul. Lorsque Esaïe le regardait, Esaïe a dit, waouh, il est assis sur son trône très élevé. De même, elle est venue du ciel. Il est assis sur un trône très élevé. Et lorsque Esaïe regardait le Seigneur, il a regardé au-dessus de lui voler des séraphins. Et les séraphins étaient tellement de la gloire. Ce sont les seuls êtres qui sont au-dessus de Dieu. Qui est au-dessus de Dieu? Les séraphins. C'est juste incroyable. Les bariasats là-bas. Mais lorsque Esaïe regardait les séraphins, il regardait celui qui était sur le trône, il regardait les séraphins. Celui qui est sur le trône, les séraphins. Celui qui est sur le trône, les séraphins. Et il a commencé à admirer les séraphins, à les admirer. Et les séraphins ont dit, mais comment ce prophète est en train de nous regarder? Et alors qu'ils volaient, ils ont pris deux de leurs ailes, ils se sont voilés le visage. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'Esaïe les regarde. Ils voulaient qu'Esaïe continue à regarder celui qui était assis sur le trône. Ne tu règnes jamais. Il arrive des fois où Dieu t'élève. Il arrive des fois où Dieu te célèbre. Il arrive des fois où Dieu t'honore. Il arrive des fois où Dieu te bénit. Il faut que tu saches une chose. Lorsque les regards des gens commencent à trop être sur toi, il faut que tu aies l'art de se cacher, l'art de se voiler le visage, afin qu'on ne te voie pas toi, mais que l'on voie celui qui est assis sur le trône. Lorsque vendredi tu as fait le mariage civil, est-ce que jeudi c'était le mariage coutumier et que samedi c'est le religieux? Lorsque dimanche les gens sont là en train de t'adorer, de te glorifier, de t'acclamer, de dire hey, voilà comment Dieu agit, il faut que tu aies la capacité de dire assis sur le trône.
Lorsque tu as manqué le travail durant des années et que les gens disaient c'est un bon à rien, c'est un bon à rien, elle fait rien, elle a des diplômes, c'est un gaillard zéro, on t'a traité de tous les maux. Et Dieu vient, Dieu te bénit, Dieu t'élève, tu es dans une nouvelle voiture, une nouvelle Lamborghini. Les gens sont en train de te regarder, ils se disent oh mais regarde maintenant comment Dieu l'a béni. Ne te réveille pas le matin en train de marcher, de dire voilà, et ma famille aujourd'hui je les ai prouvés. Et ne rate jamais l'occasion de dire assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes. Pourquoi? Parce que l'étoile ne vit pas sur la terre. L'étoile est dans les cieux. En fait, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut t'élever pour que, aussi haut que tu es élevé, que tu le lèves encore plus haut. Ah, tu n'as pas entendu? Yes. Pourquoi Dieu te bénit? Parce que quand tu seras béni, que tu bénisses celui qui est élevé et assis dans les lieux célestes. Pourquoi Dieu te donne l'argent? Afin que là où tu seras avec des multinationales, avec des présidents, des rois, des arabes, des gens qui vont te nourrir, tu aies la capacité de dire nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ce matin. Ton nom plus haut. Oh, Jesus. Une bannière dans les cieux. Pourquoi Dieu te donne l'éclat? C'est pour élever son nom. Pourquoi Dieu te donne l'élévation? C'est pour élever son nom. Pourquoi Dieu t'ouvre des portes? C'est pour élever son nom. Lorsque tu commences à penser que c'est pour toi, alors tu ne comprends pas la raison de ton existence. Écoutez comment Dieu fait les choses. Vois un peu ce téléphone qui est entre mes mains. Il est à ce niveau, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut prendre un bon plan? C'est bon déjà? D'accord. Ok, j'ai ce téléphone en main, n'est-ce pas? Ce téléphone est à ce niveau à cause du niveau de ma main. Lorsque je vais élever le téléphone, je ne dois pas faire ça. Parce que le téléphone et ma main sont connectés. Tu sais qu'est-ce que je fais? Je ne lève pas le téléphone. Je lève celui qui porte le téléphone. Yes. Quand je lève ici, amen. Le téléphone est élevé plus haut que la main. Amen. Quand je lève ici, le téléphone est élevé plus haut que la main. Quand je lève ici, le téléphone est élevé plus haut que la main. Quand je lève ici, le téléphone est élevé plus haut que la main. Quand je lève ici, le téléphone est élevé plus haut que ta main. Est-ce que je peux expliquer quelque chose à quelqu'un ce matin? La Bible déclare, je placerai sur vous mon nom. Même quand Salomon prie pour le temple, il dit ce lieu où ton nom est invoqué. Ce lieu où ton nom est placé. Écoute-moi, nous portons le nom de Jésus-Christ. Et dans le plan de Dieu, le nom de Jésus est attaché à nous. La personne de Jésus est attachée à nous. Et lorsque Dieu veut élever son fils, il n'élève pas son fils. Il cherche des hommes et des femmes, faits de chair et de sang. Aïe, aïe, aïe. Faits de chair et de sang, qui peuvent aussi se fatiguer, qui peuvent aussi maigrir, qui peuvent aussi se casser. Oh mon Dieu, Dieu a fondé sa gloire sur les hommes faits de chair et de sang. Dieu prend un homme et Dieu dépose sa gloire dedans. Dieu dit, plus haut je vais élever cet homme, plus haut mon nom sera élevé. Plus haut je vais élever cette femme, plus haut mon nom sera élevé. Plus haut je vais élever cette église, plus haut mon nom sera élevé. Mais pour que Dieu soit élevé, pour que Dieu soit élevé, il passera par ton élévation. Pour que Dieu soit connu, il passera par ta renommée. Pour que Dieu entre dans la présidence, il passera par ton introduction à la présidence. Pour que Dieu entre chez les musulmans, il t'amènera dans des affaires de milliards de dollars. Tu es la stratégie de Dieu. Étoile, tu es la stratégie de Dieu. Étoile, tu es la stratégie de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu on ne le voit pas, Dieu on ne le touche pas, mais tu es la stratégie de Dieu. Tu existes pour sa gloire, tu existes pour son élévation, tu existes pour son honneur, tu existes pour que lui soit vu par-dessus tout. Voilà pourquoi lorsque Dieu te fait voir, cache-toi derrière lui et présente Dieu. Lorsque Dieu te donne un mariage, ne dis pas, voilà ils ont vu, je vais l'éprouver. Non, Dieu a seulement élevé ta vie pour que son nom soit élevé. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je rendrai ton nom
grand. Plus grand est ton nom, plus grand sera le mien. Aïe, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Plus grand sera ton nom, plus grand sera le mien. Plus connu sera ton nom, plus connu sera le mien. Plus exposé sera ton nom, plus exposé sera le mien. Voilà pourquoi, étoile, n'oublie jamais ta mission. Tu brilles dans les cieux pour amener les regards des hommes, non pas sur ton éclat, non pas sur ta brillance, mais sur Dieu. Parce que c'est lui ton créateur et toi tu es la créature. C'est lui qui est le but, toi tu es le canal. C'est lui qui est la destination, toi qui es le cheminement. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? C'est lui qui est l'objectif, toi tu es le parcours. Les hommes doivent te rencontrer pour que toi tu les amènes à eux. Voilà pourquoi en cette nouvelle décennie, n'oublions pas l'évangélisation, n'oublions pas la mission. J'ai dit à Dieu, tu me donnes la télévision, je vais faire tous les jours des appels au salut. Dans cette télé, il y aura matin et soir des appels au salut. Et ce jour, je le fais à Dieu au Burkina Faso, à l'église de Papa Mandou Kahambiri. Je dis, Seigneur, si tu me donnes la télé, tu me donnes la radio. C'était après la prédication de Maman Hortense, je pense, excusez-moi, je ne vais m'être pas trompé. De Maman Hortense qui prêchait sur l'évangélisation, sur les gagneurs d'âme. Je dis, Seigneur, si tu me donnes la télé, si tu me donnes la radio, je te fais le vœu. J'étais sur l'autel, j'étais avec mon fils Franck, qui est aux États-Unis actuellement. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes la télé, il faut que les âmes soient gagnées matin et soir. Je ferai dans cette télévision des appels au salut matin et soir. Frère, Dieu est en train de chercher tes intérêts dans tes intérêts. Dieu cherche tes intérêts dans ses intérêts dans ton élévation. Dieu cherche ses intérêts dans ton mariage. Dieu cherche ses intérêts dans ce que tu fais. Où sont les intérêts de Dieu dans ce que tu produis? Où sont les intérêts de Dieu dans la gloire que tu as? Où sont les intérêts de Dieu dans l'éclat que tu as? Étoile, tu n'existes pas pour toi. Ton but, c'est le Fils. Je dis, c'est le Fils. Je répète, c'est le Fils. Je suis marié pour élever le Fils. Je suis élevé pour élever le Fils. Tout ce que j'ai, la beauté, les études, les masters, les degrees, les élévations, les postes, tout ce que j'ai, c'est pour lui. Si Dieu peut voir ses intérêts en toi, laisse-moi te dire, il aura quelqu'un de sûr. Lorsqu'il voudra encore être connu, il va continuer à t'élever jusqu'à être élevé. Parce qu'il a dit, mon serviteur s'élèvera de... Il prospérera, il va monter et il va monter encore plus haut. Je te vois monter plus haut parce que le temps est venu où Jésus doit être connu. Nous sommes au temps de la fin. Les signes du temps de la fin sont là. Mais le temps est venu où nous devons parler de Jésus. Maman, tu dois parler de Jésus. Papa, tu dois parler de Jésus. Jésus revient bientôt. Les signes sont déjà là. Les fléaux sont là. Après ce confinement, vis pour Dieu. Il y a des fois, des gens se posent la question. Prophète, tu ne te fatigues pas? Tu ne dors pas? Tu étais en lave-hier. Comment tu peux prêcher comme ça? Ma vie, c'est Jésus. Et l'apôtre Paul a dit, je fais tout pour l'évangile. Avec pour but d'y prendre part. Le temps est venu où il y a de ceux qui vont pas consacrer leur vie au football, consacrer leur vie aux choses du monde, mais qui vont consacrer leur vie à présenter Jésus. C'est que j'aimais avec Neymar, un jour il a vaincu, et un jour il a gagné, il a pris sur son front, il a écrit 100% Jésus. Dans ce milieu sportif, on peut peut-être pas connaître Jésus, parce que le ballon c'est un dieu. Il y a des dieux des ballons, des dieux des stars, on adore les hommes, on vénère les hommes. Mais quand Dieu élève quelqu'un comme ça, et qui dit 100% Jésus, dis avec moi 100% Jésus. 100% Jésus. Aïe, 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 aïe. Même si mon argent est à 10%, mais 100%. Yes. Même si mes finances sont à 80%, mais 100%. Jésus. Même lorsque ma bénédiction est à 20%, 100%. Dis avec moi 100% Jésus. Le matin, c'est qui? À midi, c'est qui? Le soir, c'est qui? Dans le mariage, c'est qui? Dans le célibat, c'est qui? Dans l'élévation, c'est qui? Dans la promotion, c'est qui? Que tu dormes, c'est qui? Que tu te réveilles, c'est qui? Quel que soit ce que tu fais, c'est qui? C'est, je dis avec moi, 100% Jésus. Je transpire pour Jésus. Je vis pour Jésus. Je m'habille pour Jésus. Tout ce que je le fais pour Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu fais le feu ce matin de dire à Dieu, si tu me donnes ce travail, je sèmerai pour construire une église. Si tu me donnes cette chose, je donnerai à ton serviteur. Dieu cherche son intérêt dans tes intérêts. Étoile, tu n'existes pas pour toi. C'est le Fils qui est la destination. Toi, tu es la canalisation. Le Fils est l'objectif. Le Fils, ce n'est pas toi. Le Fils, c'est lui. L'objectif, c'est lui.
étoile, tu n'existes pas pour toi, mais tu existes pour lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire un mot à force, prophète? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus là où nous sommes? Je commence maintenant ma prédication. Est-ce que je vais commencer ma prédication? Voilà, là où tu es, partage, partage le direct, invite tes amis, donne-moi beaucoup de cœur là où tu es. Le message commence, mais il va durer seulement 10 à 15 minutes, et puis je vous bénis et je vous libère. Vous allez commencer une belle semaine, une bonne journée. Quelqu'un peut me dire, avance prophète très fort. Dis encore, avance prophète très fort. Alors généralement, vous allez voir dans la Bible la distinction entre deux mots, plus de toi, entre deux mots, beauté et éclat. Beauté et éclat. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Ni beauté, ni éclat. Même quand on parle de Lucifer, on parle de sa beauté et de son éclat. Quelqu'un est avec moi? Il n'avait ni beauté, ni éclat. C'est vrai, il y a une nuance, une distinction entre la beauté et l'éclat. Est-ce que je peux avancer? Il y a des personnes qui ont la beauté et l'éclat. Il y a des personnes qui ont aussi la beauté sans éclat. Il y a aussi des personnes qui ont l'éclat sans la beauté. Mais le but de Dieu est que tu aies la beauté et l'éclat. La beauté, c'est ce que tu as de naturel. L'éclat, c'est ce que tu as de surnaturel. Ah, tu n'as pas entendu. La beauté, c'est ce que Dieu te donne de naturel. Mais l'éclat, c'est le sur malasabrada. C'est le sur le naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? L'intelligence que Moïse a fait, c'était naturel. Il avait eu des écoles de la science et de la sagesse de l'Égypte. Mais quand il a eu le bâton, il a eu le surnaturel. Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel sans naturel. Et quand le naturel est là, le surnaturel doit venir. Le surnaturel, c'est ce qu'on appelle l'éclat. L'étoile, les étoiles ont des éclats différemment des uns des autres. Quelqu'un est avec moi? L'étoile, c'est ce qui est créé. Mais l'éclat, la lumière là, c'est ce qui est au-dessus de ce qui est créé. Je parle à quelqu'un qui est ici. Ton don, c'est ton éclat. Pardon, ton don, c'est ta beauté. Ton art oratoire, c'est ta beauté. Quelqu'un est avec moi? Ta capacité de chanter, c'est ta beauté. Ton sens des affaires, c'est ta beauté. Mais l'éclat, c'est cette chose-là qui fait que quand tu chantes, à la basse, ce n'est peut-être pas une belle voix, une belle technique vocale, mais les gens sentent quelque chose. Les gens ne savent pas expliquer. L'éclat, c'est ce qu'on manque de nom pour identifier. L'éclat, c'est comme la beauté. Lorsqu'elle est là, même si on n'a pas les mots pour l'identifier, mais quand elle est là, on la reconnaît. L'éclat, c'est le sur le naturel que Dieu t'a donné. C'est sur le naturel que Dieu t'a donné. C'est en fait cette chose-là qui fait waouh. Tu dis waouh. Tout le monde prêche. Il ne prêche pas aussi bien. Il fait des fautes peut-être de français. Mais il y a quelque chose qui nous attire. Il y a quelque chose qui nous rapproche. Tu sais quoi? Quand les gens vont toucher au fétiche, tu sais qu'est-ce qu'ils cherchent? L'éclat. Okay. C'est un éclat diabolique. Okay. Pour que cette année 2020, tout le monde sortira des albums. Mais comment je sortirai? Même si la chanson n'est pas terrible, mais il y aura des millions de vues. Il y aura à la fin disque platine, disque d'or. Parce qu'il cherche un certain éclat dans le monde spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je parle comme prophète mandaté par Dieu ce matin. Regarde-moi droit dans les yeux. Je parle à ton esprit. Je parle à ton ministère. Je parle à ton destin. Je parle à ton mariage. Je parle à tes affaires. Le temps de retrouver ton éclat est arrivé. Tu n'es pas qu'une étoile, mais une étoile qui aura un éclat. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Tu n'es pas qu'une étoile, mais ton éclat va commencer à briller. Je décrète et déclare sur toi, dans le merveilleux et puissant nom de Jésus, que ton éclat t'est redonné au nom de Jésus. Tu récupères ton éclat in the mighty name of Jesus. Quelqu'un peut dire avance prophète. Alors des fois le diable vient tout simplement et il vient travailler sur toi, pas pour prendre ton étoile, mais pour prendre ton éclat. Voilà trois choses
par lesquels le diable passe pour récupérer ton éclat. Tu sais quoi? Numéro 1, le péché. Tu sais, lorsque tu pèches, Dieu te pardonne. Tu es bon, il est miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté. Mais le péché crée une brèche. La relation avec Dieu est bonne, mais la brèche peut commencer à faire une fuite dans le réservoir. L'huile commence à partir, l'éclat commence à suinter, la grâce commence à partir, et finalement les gens disent la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Parce que les gens réalisent que tu as quelque chose, mais la chose là qui maintenait leur regard sur toi, leurs oreilles sur ta bouche, n'est plus. Tu parles des bonnes choses, tu fais des bonnes choses, mais après, c'est comme ça que tu verras être serviteur de Dieu. Il est là, il fait des bonnes choses, mais les gens ne restent pas sur lui. Pas parce qu'il n'est pas une étoile, mais parce que son éclat n'est pas là. Le péché éteint, le péché trouve le réservoir. Le péché ouvre une brèche. Ton éclat commence à partir. Ton éclat commence à partir. Tu chantes à la chorale, mais tu ne chantes plus comme avant. Tu fais les affaires, mais elles ne produisent plus comme avant. Tu prêches même un bon français, l'art oratoire, impec, technique herméneutique calée. Mais après, on réalise juste qu'il y a quelque chose qui t'a quitté. Et Satan aime cela. Il va te laisser avec le naturel, mais le sûr, le naturel, te quitte. Parce que le sûr là ne demeure pas là où le péché est. Le sûr là ne demeure pas là où les iniquités sont. Quelqu'un peut dire, j'abandonne le péché et je récupère mon étoile. La deuxième des choses qui peut faire en sorte, que tu perdes ton éclat. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est ta déconnexion de certaines personnes. Est-ce que je peux lire quelque chose ici? Je lis pour toi. Note seulement 2 Chroniques 26, verset 5. On parle du roi Osias, n'est-ce pas, qui était tout jeune lorsqu'il a été choisi par Dieu. Et regardez ce qu'on dit de lui. Verset 5, on dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Tu n'as pas dit amen. Dans le temps, on dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Ok. Dans les versets qui suivent, vous allez voir, lorsqu'il devint de plus en plus puissant, Osias devint fou. Il alla usurper le fils du sacrificateur. Il a hérité l'Éternel et il a été frappé de lèpre. Dis amen que je te dise quelque chose. Amen. C'est étrange, mais on voit Osias, quelqu'un qui a recherché Dieu il a recherché Dieu. Mais il n'a pas recherché Dieu seulement parce qu'il voulait perpétuer la tradition de ceux de la race de Juda, parce qu'ils étaient du royaume du sud de Jérusalem. Il y avait scission, schisme, Rome du nord qu'on appelle Israël, Rome du sud qu'on appelle Juda. Alors les Ézéchias, les Osias, tout ça, ce sont les rois, et on dit toujours, ils s'appliquaient comme avait fait David, comme avait marché David de tout leur cœur, voyez-vous. Et il n'a pas juste cherché Dieu, mais il a recherché Dieu pendant le temps où Zacharie était là. Le jour où Zacharie est parti, le jour où Zacharie est mort, sa crainte de Dieu est partie, son attachement à Dieu est parti, et il a commencé à faire n'importe quoi. Dites amen que je vous dise quelque chose. Amen. Il y a des personnes qui seront ce qu'elles sont uniquement lorsqu'elles gardent à leur côté des personnes que Dieu a placées. Le fonctionnement de ta vie dépend aussi de ta proximité avec certaines personnes. Écoute-moi, il y a des gens qui entrent dans nos vies et qui sortent. Mais il y a d'autres gens, on ne se sépare pas avec eux. Oh. Il y a des personnes, hein, pardon, tu m'as dit, oh non, les personnes qui quittent ta vie, laisse-les quitter ta vie. Écoute-moi. Il y a des gens, on leur dit bye bye, ils peuvent partir. Mais il y a des gens, quand Satan commence à vous séparer, bats-toi, rentre même à terre, accepte de t'humilier, mais récupère cette personne. Tu sais pourquoi? Parce que ton éclat
est déterminé par ta connexion avec cette personne. Je peux revenir dans Genèse. Dites amen que je puisse exposer maintenant. Dites amen que je puisse ouvrir le livre. Dites amen que je puisse décoder le mystère. Au commencement, Dieu a créé le grand luminaire, le soleil, pour présider au jour. Et il a créé un jumelage. Il a créé la lune pour présider à la nuit. Et vous savez quoi? Le jour, le soleil brille et on est illuminé. La nuit, la lune brille et on est illuminé. Mais tu sais que la lune n'est pas un astre brillant. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? La lune, en jumelage avec le soleil, n'est pas un astre brillant. La lune n'est pas un luminaire. Non! Ce sont les scientifiques qui nous ont expliqué au fait que quand la lune l'a brillé, la lune est un miroir. Oh my God! My God, my God, my God. La bradia sota d'abayana maseke. La lune est un miroir. L'éclat de la lune n'est pas déterminé par sa brillance. La lune ne brille pas, mais la lune donne de la lumière et donne de l'éclat à cause de son positionnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de sa proximité, à cause de son alignement avec le soleil. Ozias va briller tant que Zacharie sera là, parce que Zacharie est le soleil et Ozias est la lune. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Parce que Zacharie est le soleil et Ozias est la lune. Et Ozias brille tant que Zacharie est là. Mais quand Zacharie part, Ozias ne brille plus. Il y a des hommes qu'on ne laisse pas. Il y a des pères spirituels qu'on ne laisse pas. Il y a des collaborateurs qu'on ne laisse pas. Il y a des hommes d'affaires, des partenaires qu'on ne laisse pas. Il y a des amis qu'on ne laisse pas. Vous n'avez jamais vu d'autres gens? C'est un fils, il quitte un père. Il continue à travailler, mais la chose l'a quitté. Tu sais pourquoi? Parce que ton père est ton soleil. Est-ce que je peux commencer à dire des choses ici? Joseph a fait un rêve. Il a fait deux rêves. Joseph a vu 11 étoiles. Et il a vu le soleil et la lune. Est-ce qu'on peut ouvrir le mystère ici? Il a vu le soleil et la lune. Il a vu le soleil et Jacob, connaissant le mystère, parce que Jacob a vu l'ange. Genèse 32. Jacob a vu Manaïm, le camp des anges. Jacob a vu l'échelle. Genèse chapitre 28. Il était un homme habitué au surnaturel. Il a dit non, Genèse 38. Il dit non. Petit. Donc tu veux dire dans ce rêve-là que moi, ton père, le soleil, et ta mère, la lune, les bradiasaka. Et ta mère, la bradiasaka. Et ta mère, la lune. Voilà pourquoi on dit que la femme est la gloire de l'homme. Ok, ça c'est autre chose. Moi, le soleil, et ta mère, la lune, qu'est-ce que nous allons faire? Et tes frères, nous allons nous prosterner. Jacob, c'était qui? Qui est ton père? Qui est ton père? Oh, répète bien, qui est ton père? Je répète, qui est ton père? Oh, vous avez honte de dire? Qui est ton père? Ton père est ton soleil. Je n'ai pas entendu. Ton père est ton soleil. J'aimerais dire, hein, l'église ne brille pas. L'église est le reflet. L'église reflète son image. Adam ne brillait pas. Adam était à son image et à sa ressemblance. Adam reflétait son image. Le badia sakadaba sauté. Le badia baba sandababa shanda. La badababa saka. Il y a des pères avec lesquels on ne se déconnecte pas. Tu peux continuer à prophétiser. Tu peux continuer à prêcher. Fais même un travail. Mais les hommes qui te regardent diront, elle a perdu quelque chose. Il a perdu quelque chose. Il continue à faire ce qu'il fait. Mais la chose l'a quitté. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es séparé de ton soleil. Tu t'es séparé de ta source. Dieu est soleil, oui. Mais puisque Dieu est père, un père sur la terre est aussi ton soleil. On ne se déconnecte pas d'un père. On ne déshonore pas un père. On ne crache pas sur un père. Parce que ton père, c'est ton soleil. Viens avec moi mon père. Et mon soleil. Dis encore plus fort mon père et mon soleil. Dis plus fort mon père et mon soleil. Dis très fort mon père et mon soleil. Dis très fort mon père et mon soleil. Je parle ici à un Ozias. Tu es comme une lune. Il y a des chacun sa part. Je parle à un Ozias ici. Tu es comme une batterie. Mais si on ne te met pas dans la voiture, tu ne serviras à rien. Une batterie pour la batterie ne représente rien. Mais quand la batterie entre dans la carrosserie, automatiquement, la valeur est arrivée. J'aimerais dire à des gens, il y a des gens avec lesquels on ne se sépare pas. Quelqu'un peut dire amen très fort.
Dans ma vie, je ne me séparerai pas de mon père, l'apôtre et le prophète Alpha Kau. Dans ma vie, je ne me séparerai pas de papa Roland Dalo. Je ne me séparerai pas de papa Espérance Bakadi. Je ne me séparerai pas de papa Réussite Mandako. Il y a beaucoup de papas, de plusieurs pères, de partout dans le monde entier. De ces papas qui me portent, de ces papas qui m'aiment, des papas qui m'ont adopté. Qu'on dise quoi que ce soit, je ne me séparerai pas de l'apôtre le Paul Moutomou. Je ne me séparerai pas de plusieurs pères qui assurent la terre. Tu sais pourquoi? Parce qu'un père est un soleil. Tu craches sur lui, tu craches sur toi. Tu l'attaques, tu détruis ta vie. On ne crache pas sur la mère qui t'a nourri, parce que ton père, c'est ton soleil. Que Dieu bénisse les pères. Dieu n'est pas le Dieu des fils, Dieu est le Dieu des pères. Il n'est pas le Dieu des fils, il n'est pas le Dieu de Joseph, le Dieu d'Isaac. Non, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Dieu est et reste le Dieu des pères. Je sens de clôturer ici. Je sens que Dieu est en train de créer une reconnexion en cette saison. Il y a des hommes qui appartiennent à ta vie. Vous avez des problèmes, mais Dieu vous reconnecte. Tu ne vivras pas le maximum de ta vie tant que tu n'es pas connecté à cette personne. Tu ne vivras pas le maximum de ta vie tant que tu n'es pas connecté à cette femme. Il y a des hommes et des femmes qui se sentent amputés depuis que Satan t'a séparé de certaines personnes. Il y a des hommes de Dieu qui sont comme amputés. Ils travaillent, ils font bien, mais il y a quelque chose qui les a quittés. Il y a un éclat qui les a quittés, parce que la partie manquante de ta vie a été déposée chez quelqu'un d'autre. Je décrète et déclare une saison de réconciliation, une saison de pardon, une saison de reconnexion, parce que tu dois récupérer ton éclat et ta connexion avec cette personne, ta connexion avec cet individu est déterminant pour la restauration de ton éclat. Que Dieu bénisse sa parole. Waouh. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça là où tu es? Labradiasse. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je te remercie ce matin pour le privilège d'avoir écouté ta parole. Nous voulons déclarer haut et fort, nous avons récupéré nos éclats. Il y avait beaucoup de choses à dire, Père, mais l'esprit de la prophétie a voulu encourager, édifier, consoler quelqu'un ce matin. Mais à la fin de tout, je prie que mon frère et ma soeur se reconnectent avec l'homme éclat et la femme éclat, l'homme soleil et la femme soleil, le lieu éclat et le lieu soleil, la bradiasa, le fils soleil et le fils éclat, les personnes, les lieux, les choses qui déterminent leur éclat. Que ce matin soit un matin de reconnexion et de bénédiction pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer très fort pour Jésus. Merci Seigneur. On peut acclamer très très fort pour Jésus. J'aimerais entendre des acclamations sur le plateau. Merci, merci, soyez bénis. Alors là où vous êtes, bâtissez un autel. Ce message vous a béni. Et est-ce que je pourrais en faire même un séminaire? Je peux en faire? Yes. Parce que là, j'ai donné l'introduction de mon message. J'avais beaucoup à dire. Pardon? Voilà, on dit au studio, nous avons soif de ces choses. Alors, tu peux récupérer aussi ton éclat en bâtissant un hôtel. Ma propre vie est un témoignage, je peux vous raconter beaucoup de choses, mais j'aimerais seulement te dire, ce matin, ne sors pas de ce live sans m'avoir écouté jusqu'à la fin, s'il te plaît. Tu dois poser l'offrande sur l'autel, un sacrifice sur l'autel. Ou bien même tu as déjà l'éclat, mais tu veux augmenter ton éclat. Tu veux multiplier ton éclat. Tu veux élargir ton éclat. Bâtis un autel ce matin. Un numéro de téléphone est au bas de l'écran. Vous voulez envoyer par Western Union ou MoneyGram. Envoyez un message sur le numéro qui est au bas de l'écran et écrivez sur WhatsApp. On vous donnera les coordonnées. N'hésitez pas à envoyer votre offrande. Deuxièmement, vous voulez envoyer par Mastercard et par PayPal, aussi simple que ça, il y a un lien sur la description de cette vidéo. On a écrit Macabo. Vous pouvez envoyer, cliquez dessus, envoyer par PayPal, Mastercard et carte Visa. Envoyez votre offrande maintenant. Troisièmement, vous êtes à Kinshasa, de la porte des cieux, ou d'ailleurs, mais à Kin. Vous pourrez envoyer même, pas seulement Kinshasa, non, surtout de la République. Vous avez été à Goma, à Gemena. Alors, vous voulez envoyer votre offrande maintenant. Il y a M-Pesa, Airtel Money et Orange Money. Vous pouvez voir les coordonnées qu'on nous balance par la technique
envoyez maintenant vos offrandes, envoyez vos dîmes, vos actions de grâce et vos offrandes du prophète. Alors, ce soir, j'ai une grande communication à donner à partir de 22h, heure de Kinshasa, 21h GMT et 23h, heure de Paris. Simple. Allez maintenant sur un dernier lien qui est mis sur la description de cette vidéo. On a écrit Telegram, cliquez dessus et vous allez, on a dit, retrouvez-nous dans la grande famille de l'Église Porte des Cieux. Cliquez sur Telegram. Si vous n'avez pas Telegram, téléchargez alors Telegram. Mais cliquez sur le lien, on vous balancera directement sur Telegram et vous pourrez entrer dans ce groupe. On a plus de 2000 déjà, plus de 2000 personnes depuis hier. Le groupe Telegram a juste explosé. À 22h, vous allez recevoir une vidéo de ma part avec une bonne nouvelle de quelque chose qui doit arriver durant ces 7 à 8 jours jusqu'au jour de dimanche prochain, le dimanche de la Pentecôte. Là, je partage des exhortations, on partage des prédications, on donne des communications, mais aujourd'hui, à 22h, tu vas suivre une vidéo de ma part avec une bonne nouvelle. Vous croyez en mon ministère, vous croyez en ce que Dieu m'a donné. Et vous savez qu'on doit maintenant prendre les nations pour Jésus. S'il vous plaît, téléchargez Telegram, c'est très simple. Et soyez connectés et respectez les instructions que je vais donner à partir de 20h, heure de 22h, heure de Kinshasa, 21h GMT et 23h, heure de Paris. Je vous bénis tous et toutes de partout où vous nous avez suivis ce matin. Ce soir, on va se retrouver à la garnison des prophètes sur la page de mon frère le prophète Joe Grasse. On sera là pour prier, clôturer et parler de la part de Dieu. Merci beaucoup d'avoir été très connecté ce matin. Je bénis tous mes fils et mes filles de la Porte des Cieux. I love you guys, God bless you. Et on se retrouve ce soir pour la garnison des prophètes avec le prophète Joe Grasse. Ne ratez pas, le pasteur Récit Mandako priera pour nous, va nous bénir. Et on aura aussi le temps de partager 5 minutes une pensée du Seigneur. Sinon, si Jésus ne revient pas, on se retrouve ce soir. Et cette semaine, on aura un nouveau programme. Les gens ont réclamé dépistage. Les gens ont réclamé la veillée. Les gens ont réclamé dépistage. Soyez connectés demain matin, vous aurez Good News. On se retrouve tout à l'heure. Bon dimanche et bon appétit chez vous. Shalom. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, alléluia, plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, alléluia, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, alléluia, plus de discernement, plus de alléluia, de ta volonté, Seigneur, oh oui, discerne, 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 papa, discerne, le mot de ta voix. Je t'en prie, papa, discerne, discerne, oh, discerne, discernement de ta voix, oh, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Mon papa est assis sur le trône. Assis sur le trône. Oh oui, il règne à jamais. Il règne à jamais. Mon Dieu est assis sur le trône. Assis sur le trône.
jamais